Et gens, on continue la campagne des Herbillions. On venait de faire le marais toxique et il y a une horde d'infectés qui nous bloque le passage jusqu'au laboratoire Omnicron. Et donc on va y aller en espérant réussir parce qu'on voit que c'est 2640 infectés venimeux. Je sais, j'ai pas encore décidé si c'était plus rentable d'attaquer avec des snipers ou avec des soldiers. Potentiellement un mix entre les deux, parce qu'il me semble que les snipers les mettent 3 quarts de vie en moins et les soldiers ils font quand même pas mal de dégâts aussi. Et donc la horde d'infectés, il y a une horde de 2640 des infectés au milieu de la route. Et pour dégager la route et continuer à développer des colonies sur cette voie, vous devrez d'abord détruire la horde avec l'armée de l'Empire. Comment c'est? Ça fait d'accord. Bon bah il n'y a pas beaucoup de questions. Oui, la zone elle est encore. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Quoique là, je suis pas sûr d'avoir besoin de mettre beaucoup de défense ici. Eux, ils vont. Si eux ils vont arriver là, ils vont faire ça. Et eux ils vont arriver là, ils vont faire ça. Médecin. Je me demande si pour m'assurer entre guillemets de réussir, je ferai pas un double mur. Des doubles murs. What? Il me reste combien? Il me reste la moitié, d'accord. Encore 1200, il me reste... Ouais, bon, vu la dose de sniper, ça donne pas envie de s'embêter à faire plus de murs. Sachant qu'en général, les hordes, ils arrivent pas d'un gros bloc, mais relativement à la file. Donc c'est parti! Ça aurait été la fois où j'ai été le plus rapide, je pense, à me préparer à une horde. Alors bien préparé, mal préparé, peut-être mal préparé. Hein.
Là, par exemple. Là, il y en a trop. Bon, on a déjà fait plus de la moitié de la horde, hein. Ouais. Ben, clairement, cette horde-là n'était pas aussi compliquée que les autres, ou alors c'est vraiment la stratégie sniper. Mais bon, en sachant qu'ils allaient arriver par voie, par. Ouais, c'est ça, par voie en. Pas en un gros pack de 2400, mais. Mais plutôt à la queue leu-leu comme ça. Ben, les snipers, tu les empêches d'être à portée. Et tu les décimes avant. Bon, 7 minutes, je savais que ça serait rapide, mais je pensais pas autant. Donc on va enchaîner sur le laboratoire Omnicron. Mission de héros. Cette sombre forteresse se dresse au-dessus d'un marais fantomatique dont les eaux reflètent un vert terne. Le bâtiment se compose de 5 étages de forme circulaire et bien que sa fonction est inconnue, il semble avoir été un laboratoire de recherche biologique. Vous trouverez sûrement des technologies précieuses à l'intérieur et peut-être des réponses sur l'origine de l'infection qui a ravagé le monde. Obtenir l'artefact de mission, le héros doit s'échapper et des objectifs secondaires. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Un laboratoire Omicron. Attention, déposez les spécimens ici en suivant le protocole de sécurité A201. Nos opérateurs seront chargés de les transporter aux cette capsule de confinement. Est-ce que tu arrives à aller là? Pareil de l'autre côté. Bon, on m'en fout, tant que je peux faire le tour, je fais le tour avant d'ouvrir les portes. Hein. Donc là, déjà, on a une trousse de soins. Et on verra ce que c'est. Un peu d'objectif secondaire.
rôle un gros. On est bien content de... On a pris. That's easy, oui, pour le moment, hein. Ne nous jinx pas trop. Voilà, deux grenades. Qu'il y a... Bah justement, anything more, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre ici. C'est ce que j'allais dire. Miamma, la flotte. Mais dans les moments comme ça où tu backtrack, tu reviens sur tes pas, et que t'as vu zéro spawner, c'est bien d'avoir un petit accéléré la vite. C'est vraiment le seul, enfin, c'est le plus gros point noir de ce mode là je trouve. Autant t'as qu'une unité, tu tapes et tout, c'est pas ouf, ça change beaucoup par rapport au mode de jeu qu'on a, qu'on veut jouer, pour lequel on a acheté le jeu quoi. Deux grenades, d'accord. Si j'étais passé par le nord d'abord, j'aurais eu de quoi peut-être taper le gros sans perdre trop de temps. Il y a là, là et là. On va faire ça, on va peut-être lire le message là, on tourne autour mais... Spécimen primitif, premier infecté de niveau 8, récupéré en vie. Année 2147. Malheureusement, le cœur s'est décomposé en raison d'une défaillance dans la formule du liquide de conservation. Attention, spécimen d'exposition, merci de ne pas tirer sur la... sur le verre de la capsule. Il y en avait encore un. Je sais pas si je passe par les escaliers ou... Non, non, parce qu'il y a plusieurs étages, donc on va commencer par en bas. D'accord, ben, on va pas commencer par en bas apparemment. On va lire la porte là, puis aller de l'autre côté. Ça qui est aussi un peu relou quand on veut savoir. Galerie de spécimens femelles. Attention, les échantillons sont maintenus en vie grâce au liquide de conservation. En cas de rupture de capsule, évacuez la galerie dans l'ordre et le calme. Quoique, on va y aller. J'étais en mode, bah ça va, les capsules sont pas rompues. Mouais. Bah on va pas avancer, hein, on va détruire toutes les capsules.
pas grave. Spécimen du genre Rabidi Harpia. Spécimen trouvé en l'an 2153 après l'échec du vaccin version 9. 5% des femmes vaccinées ont développé une mutation qui les a rendues beaucoup plus rapides et meurtrières que celles infectées normalement. Attention, spécimen vivant. Ne pas tirer sur le verre. Oui, bien sûr. Version 9 et 5%, je voyais un 9,5%, c'était bizarre. C'était très bizarre, donc j'ai oublié. Oh, il y avait une porte là. Et bah, je ne l'ai pas vue. Accès externe E1. Attention, pompe d'extraction bouchée. Retrait des algues, des filtres en cours. Mais on n'a pas besoin d'ouvrir. Alors, à droite ou... Non, c'est pas une porte. Salle d'expérience. Ah, attention, expérience en cours avec la machine d'irradiation. Il est recommandé d'éteindre la machine après une heure en raison du risque d'explosion. Le problème, c'est que ça, c'est que des harpies. C'est bien ça. On va se le retenter parce que, voilà. On ira d'abord sur la gauche et après... Et à droite, ou alors on commence par la droite quand même, et sauf qu'on balance des grenades pour les harpies. Peut-être ça. Hein. Peut-être balancer des grenades pour les harpies. Ou alors on... On commence par l'extérieur et puis on rentre par le côté et... Et en rentrant par le côté, on... On descend... J'en rentre par là et on fait comme ça. On ira voir les femmes après. C'est la porte. For the glory of Quintus. Great. Okay. Perfect. All right. Let's go. Let's go. For the Emperor.
Je sais pas qui t'es. Faut d'abord que je fasse mon tir avant de commencer à reculer, en fait. Surtout ça. Des grenades. Des pièces d'ici, effectivement. Déjà foutu ces deux-là, voilà. On va monter en tant qu'à faire. Jamais je me tue tout ça. Jamais, 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 jamais je peux tuer tout ça. Faut pas que j'ouvre cette porte et que je passe par l'autre côté. Allez. On n'en est pas à ça près, on est. Habitué aux épisodes un peu longs sur cette chaîne, pour ce jeu surtout. D'accord, là y'a rien, là y'a rien. Je pense que je refais exactement la même, sauf que au lieu de remonter, je descends quoi. Je vais pas voir la salle des harpies. Et tant pis. J'irai voir si j'ai des soldats en aide. J'irai voir. Ça a attiré tellement de monde qu'il n'y a plus besoin d'aller se planquer ici. Quoi? Ah, c'est légèrement aléatoire. Ça me dit quelque chose que ce soit un peu aléatoire, mais j'avais totalement oublié. Oh joli. 4 d'un coup, c'est pas souvent.
Lui non plus. On dirait presque que le jeu veut plus charger les spots que je sais qu'il faut looter. Ces deux-là au moins, oui. C'est des grenades, c'est normal. Ça, c'est de la science. C'est normal que ce soit là. Dans tous les cas, j'ai l'impression que les grenades, les trousses de soins sont pas du tout aléatoires. Cette caisse-là, j'ai toujours passé ma souris dessus et jamais vu qu'il y avait du loot. Et pour une fois, il y a du loot. C'est un peu... Non. D'abord, on monte. Là, il y en a un ou deux qui traînent. Et une fois qu'on s'est fait eux, on va pas ouvrir la salle là-haut. Mais on va se faire tout le bas ici. Il y a lui aussi. Et l'autre côté, c'était l'aile des femmes. De ce côté-ci, ça va être l'aile des hommes. Laboratoire de test et d'expérience. Attention, zone de quarantaine biologique. Combinaison isolante obligatoire pour le personnel de recherche. For the Empire, no fear. Units under attack. Mais sérieux? Oh là là.
filles, elles sont tellement vénères. Et où mon perso est tellement lent. Ah oui, d'ailleurs. Bon, pour la VOD, ça sera trop tard. Mais il est 7h40 ce dimanche 14 janvier 2024. Et c'est donc depuis une dizaine de minutes que l'AGLQ a commencé. AGLQ. Donc le Awesome Games Done Quick, qui est un marathon de speedrun au profit américain, au profit de l'Institut Pasteur. Ça a lieu tous les ans en janvier, j'ai envie de dire. Il y a la SGDQ, qui veut dire en anglais, SGDQ qui a lieu en été pour Summer Games Done Quick. C'est quand en été? C'est peut-être plutôt en juillet d'habitude. Juin, juillet, je sais plus. Et donc ça vient de commencer. Là tout de suite en direct. Donc le stream, je verrai le French stream évidemment. Pour pouvoir profiter de cet événement que de toute façon je vais regarder. Et pour ceux qui regardent en vidéo, bon, le temps que la vidéo sorte, l'événement sera fini. Mais n'hésitez pas, si jamais vous tombez dessus, c'est du speedrun, donc c'est clairement pas comme là tout de suite maintenant, c'est rarement des jeux de gestion aussi. Mais n'empêche que vous avez joué à Mario, vous avez joué à Metroid, à Zelda, et voir des énergumènes finir le jeu pendant que vous n'êtes pas sorti, vous serez pas sorti de la zone de tuto du jeu, en général, c'est toujours impressionnant. C'est moi, ça me fascine, j'aime regarder ça. En marathon plus particulièrement parce qu'il y a, comment dire, en marathon on a des commentaires qui sont intéressants contrairement quand c'est un seul streamer qui fait son truc. En marathon, on a plein de jeux différents. On n'est pas sur un streamer qui essaie de faire son meilleur temps et qui du coup s'arrête dès qu'il estime qu'il ne pourra pas améliorer son temps ou battre au corps qu'il veut. Là, en marathon, condition marathon, à part énorme bavure. Ou jeu très random et où c'est prévu, genre Minecraft, il me semble, et encore, je ne sais même pas si c'est vraiment prévu, en général, c'est juste, tu te débrouilles, tu finis, même si c'est plus long que qu'un record X ou Y. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, ça permet de découvrir plein de jeux, ça permet de passer du bon temps en tant que viewer et de se laisser impressionner. Là, y a pas... Ah, il a pas clignoté lui, je l'ai vu clignoter, je croyais.
place entre les tables. On commence comme ça, ça sera mieux. Ça sert à rien de garder les grenades jusqu'à la fin du niveau. Tant qu'on voit des gens arriver, on ne s'avance pas plus. Même s'ils viennent que un par un. J'aimerais bien essayer de synchroniser, mais ça va être compliqué, de un tir là-dessus, plus la grenade. Mais avec les animations, je... Bon, voilà. Au moins, je suis pas mort au même endroit. C'est le mauvais. Jack! Le mauvais. Les trucs au milieu à fouiller là. Celui-là aussi. On en est presque à la moitié des objectifs secondaires. Alors ici, on a un petit couloir qui nous indique accès externe E2. Attention, les machines de traitement du méthane sont à 100% de leur capacité. Combustion des gaz excessifs activée. Combinaison ignifuge de niveau 5 nécessaire pour les opérateurs. Ok, donc faut passer au bon moment, mais ça m'aide à cramer du zombie. Non, celui-ci reste en permanence. Of course.
Pas tôt, trop toi ici. Là, je sais que lui reste en permanence. À voir si ça suffit, mais il y a lui après. Qui n'est pas en permanence, mais qui a l'air de faire son taf aussi. Allez, allez, on attire du zombie, on attire du zombie. Par où ils viennent Si on trouve des lance-flammes, je serais trop content. Mais n'importe qui, quoi. N'importe qui peut m'aider contre les harpies. Parce que les harpies dans leur flocon là, c'est infaisable. Joli le 3. Nettoyer là, ça me permettra de venir ici pour les attirer.
porte ici. Oui, ouvrir la porte là, c'est... Tu comprends tout de suite de quoi il en retourne dans le coin. Je fais comment ? De toute façon, je veux le 100%, donc ces deux-là. Non, on va d'abord voir si on n'a pas une combinaison unifuge ou je ne sais quoi. Des lance-flammes ou n'importe quoi. Ici et là, d'accord. Alors, on a plus fait le ménage ici, donc... Cent 180 sur 300, je pense qu'on est à peu près la moitié. Et on a dépassé en science. Ces deux trucs là, ok, mais soit il me faut quelqu'un qui a une combinaison unifuge. Soit il... C'est compliqué quoi, soit il faut quelqu'un qui a une combinaison unifuge, soit il faut que... Que je sacrifie des PV pour aller là, ou juste en frôlant, peut-être que ça passe. Le spécimen qui vomit. Le spécimen du genre Venenosa infecti. Spécimen trouvé en l'an 2158, les infectés attaqués avec des tétrodotoxines ont non seulement survécu, mais se sont aussi mutés en une espèce plus meurtrière capable de cracher de la salive hautement toxique. Attention, spécimen vivant, ne pas tirer sur le verre, il n'est pas à l'épreuve des balles. Justement... Bon, ouais, sur la carte je vois pas d'autres portes.
Ici, c'est l'endroit des harpies, donc on va pas y aller. Quatrième niveau, là, on atteint. Ils ont dit que c'était sur 5 niveaux, je crois. La galerie de recherche B. Attention, les capsules défectueuses des spécimens Phenenosa infecti ont été transférées dans cette galerie. N'entrez en aucun cas tant que le personnel de maintenance n'a pas effectué toutes les tâches de réparation. Oh là là. Le truc, c'est que je vais devoir m'avancer jusqu'ici, quoi. What safe. Des flammes. Là, je vais pouvoir me mettre par ici. Oh là là, ça, il a pas voulu tirer. Bon, on va s'arrêter là. Je dois vous avouer que j'en ai un peu marre de cette mission avec que des élites chelous de partout. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura quand même plu de voir la horde facile et la mission de héros pas possible. On a quand même atteint les 70%. Donc on a dépassé les deux tiers du jeu, enfin de la campagne. Parce que le jeu n'est pas que ça. Le jeu, c'est surtout le mode... Le mode survie, mais je le fais pas forcément en stream, pas forcément surtout en vidéo. En stream, ça peut m'arriver. Voilà. À la prochaine, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.